Bonjour mes amis Scorpion et ascendant Scorpion, voici votre tirage sur ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce que c'est qui vient à vous pour ce mois d'avril? Alors pour les Scorpions, on a effectivement peut-être des nouvelles qui vous arrivent proches par rapport à la famille. Bon, donc ce mois, ça va être la famille. Peut-être parce qu'il y a eu des enterrements, des naissances, mariages, on va être très famille sur ce mois d'avril. Concernant l'événement proche, il y a quelque chose qui va vous arriver que vous avez demandé l'automne dernier par rapport à un homme. Voilà, donc pour moi, il y a des nouvelles qui vous parviennent d'un homme. Un homme qui se sent plutôt triste et un homme qui se sent trahi et qui est malade et qui a besoin de conseils. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et au niveau de la famille, on dit qu'effectivement, il y a la famille, que c'est vous à prendre que vous avez pris la décision de vous détacher par rapport à des membres de cette famille. Et que tout simplement, vous les avez un peu vus, hein, vous les avez rencontrés pour moi, mais karmiquement, il y a quelque chose qui font qu'ils ont tellement changé que vous préférez vous détacher. Voilà. Donc, soit on reste ami, une amitié qui est possible, à l'occasion d'un décès de quelqu'un. Voilà. Donc, sur ce mois d'avril, est-ce que vous êtes les Scorpions et ascendant Scorpion, vous avez connu un décès? Vous me dites en commentaire si ça vous parle. Allez, on va regarder dans le détail. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits Scorpions? Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, Scorpion, on dit qu'on est en attente, hein, donc en attente de nouvelles, on l'a vu. Et par contre, il y a une interdiction, donc on va voir ce qu'il en est. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, Scorpion, donc au printemps, c'est bien en ce moment, donc on parle. Effectivement, il y a toujours ce côté famille qui est là, donc peut-être il y a le côté enfant, les parents, etc. Ah, il y a des petits ennuis qui vous parviennent concernant la famille, donc peut-être des ennuis par rapport aux enfants ou aux parents, mais on dit que malgré tout, c'est un couple qui tient. Il y a un couple qui tient parce qu'il y a des, fondations quand même solides, et on dit que c'est vous, Scorpion, quand même qui décidez de ce qui va pas. C'est vous qui amenez quand même cet équilibre. Bon, vous sentez un peu triste, hein. Il y a des situations peut-être qui sont un peu chaotiques pour vous, et des fois il y a de la tristesse aussi, on est un peu chabada. Voilà. Bon, on dit quand même que il faut quand même prier les anges, hein, les archanges, en tout cas le vôtre, pour qu'ils vous amènent ce que vous attendez. Voilà, on dit qu'il y a des pensées envers des membres de la famille aussi. On dit qu'il y a cet aspect malade, donc il y a quelqu'un peut-être qui est un peu maladou dans votre entourage et ça vous fait souci. Et voilà, et pour l'instant, vous ne voulez pas trop vous en mêler, ou vous-même peut-être vous êtes malade, Scorpion, et pour l'instant, vous ne voulez pas faire de diagnostic, quelque chose sur vous, vous ne voulez pas, donc vous vous détachez de cela, on se détache des problèmes un petit peu, et on se détache peut-être effectivement de cet esprit de décès. Donc peut-être il y a une maladie un peu dans votre famille, quelqu'un qui a des gens qui sont décédés, donc il y a une mauvaise période et vous êtes mélancolique par rapport à quelqu'un qui est décédé, mais à lequel vous pouvez rentrer en contact et vous pouvez même l'appeler pour vous protéger. Voilà, donc on dit qu'il y a vous décidez de prendre la vie à bras le corps quand même par rapport au travail. Donc au travail, vous redoublez d'efforts, vous redoublez pour avoir des contrats dans votre travail parce que des fois, ce n'est pas évident financièrement. Voilà, mais malgré tout, regardez bien, ça c'est la meilleure de l'oracle. Malgré tout, vous parvenez sur le mois de mai à équilibrer les choses. Bravo, bravo, bravo. Allez, on va faire maintenant avec l'oracle lumière pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce que j'ai? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on dit qu'il y a des mauvaises bases de départ, donc peut-être effectivement, il y a un petit peu un envoûtement, mais que de toute façon... Ah, on vous a fait de l'occulte sur l'argent, pour pas que vous en gagniez. Ok. Donc, il y a l'aspect financier.
Alors, on reprend les petits scorpions. Alors, là, on parle quand même sur ce mois d'avril de balayer le passé. Donc, il y a des choses qui vous enquiquinent et qui vous empoisonnent dans la vie. Et vous décidez de payer vos dettes. Donc, pour moi, au niveau du passé, il y a des choses qui vous ennuient. Donc, vous les évitez ou en tout cas, vous les occultez. Et de notre côté, il y a l'argent qui rentre quand même. Pour moi, il y a un gain d'argent, il y a des activités, il y a des contrats qui sont là pour payer peut-être vos dettes. On parle aussi qu'il y a un enfant à charge. Cet enfant à charge, il y a de l'argent aussi qui va rentrer pour lui. Et il y a une reprise, et il y a une prise de conscience. On dit que vous gérez quelqu'un. Il y a des parents là qu'on prend en charge. Et il y a la justice. Peut-être que vous, Scorpion, vous êtes dans des métiers un peu de droit. Mais on dit que vous allez aider quelqu'un au niveau du droit, là. On dit que vous aidez quelqu'un. Effectivement, il y a le côté enfant. Hein, donc, vous aidez... oui, il y a quelqu'un de plus jeune que vous aimez par rapport à un handicap. Dans la famille, vous allez découvrir que vous avez un enfant qui est finalement un handicap peut-être psychique. On parle aussi de voyage. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui fait route, mais peut-être que vous allez faire... on va vous proposer peut-être de former quelqu'un à l'étranger aussi. C'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on dit d'autre hein, par rapport à vous, Scorpion, pour ce mois d'avril? Il y a des propositions. Oui, on dit que vous avez décidé de changer de voie professionnelle. Et si vous êtes enseignant ou formateur ou que vous travaillez avec des jeunes, on dit que vous allez passer à autre chose. Pour moi, il y a des courriers... par rapport à l'argent qui vous arrive, ou peut-être des virements, ça vous arrive là. On dit que effectivement pour moi, il y a eu cet aspect, voyez, envoûtement, je vous l'ai dit, à un moment donné, pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a fait l'objet d'un karma ou quelque chose de mal sur lui. Voilà, et on dit que vous allez pouvoir partir à l'étranger. En tout cas, si vous voulez réussir, il faut passer, aller au-delà de la mer. Pour moi, il y a une protection. Donc, les enfants vous amènent toujours quand même quelque chose de bien. Il y a des déplacements qui se font. Il y a effectivement la décision et le destin qui est là aussi. Donc, il y a un retour par rapport aux gens qui vous ont fait de la maladie. Et là, on parle d'adultère. Hein. Donc, pour moi, il y en a qui vont... il y a de la jalousie par rapport peut-être à votre métier aussi. Il y a des projets nouveaux. Donc, vous enlevez le côté enseignement, vous partez sur totalement autre chose. On dit que vous avez petit perdu du temps et que les choses arriveront cet automne. Voilà. Et on dit qu'il y a eu de la jalousie dans votre travail. Mauvais karma. Attention, on vous a fait quelque chose dans le travail. Pour pas que vous ayez des contrats où on vous a ennuyé, il y a des problèmes qui vous sont arrivés rapport au contrat sur le mois d'avril. Allez, qu'est-ce que j'avais l'oracle des miroirs? Quel oracle? Du sentimental. Donc là, on parle famille, hein, toujours pareil. La famille, les enfants et l'amitié. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, l'amitié. Donc, c'est les enfants. On travaille avec les enfants, la jeunesse. Pour moi, il y a des réponses à donner, donc peut-être qu'on va vous demander quelque chose, d'être peut-être dans un jury, ou en tout cas, il y a des examens peut-être par rapport à vous, hein, aux professionnels, et ça peut évoluer. Maintenant, il y a quelqu'un qui vous pollue la vie, professionnellement, et même dans la famille. Faites attention, c'est quelqu'un que vous estimez, et avec lequel... vous correspondez. Donc, qui c'est qui vous trahit dans la famille? Un enfant, ou le mari, ou la femme. En tout cas, c'est quelque chose qui se déplace et qui veut... Donc, il y a bien un courrier qui arrive par rapport à un enfant. Donc, vous allez apprendre que peut-être quelqu'un a un enfant dont vous n'êtes pas le père. Voilà. On parle d'amitié. Donc, pour moi, dans la famille, il y a l'amitié aussi. Hein. Il y a des amis qui viennent chez vous. Il y a une certaine instabilité en vous qui vous questionne.
Au niveau du travail, il y a toujours cette jalousie, il y a toujours des gens qui sont envieux. On dit que par rapport à la trahison, il y a la loi qui s'en mêle, donc peut-être séparation, ou en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas claires. Au niveau de l'amour, on prend de la distance parce qu'on a découvert certaines supercheries. Et il y a des contrats pour former à l'étranger, comme je vous disais, qui vous parviennent. Ah, en tout cas, vous aimeriez bien que ça arrive. Voilà. Et donc, par rapport à un enfant, on dit qu'il va falloir que vous ouvriez les yeux par rapport à lui. Voilà. Ouais, pas plus. Non, pas plus. Voilà. Allez, je termine avec toujours mon oracle de la triade pour vos scorpions et ascendants scorpions. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on dit, ben effectivement, vous êtes un signe d'eau, hein, donc vous êtes un signe de réflexion, d'alchimie, on est attiré par vous, etc. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, on dit que vous avez fait quand même des erreurs. Tout, vous avez, alors sur ce mois d'avril, il y a des personnes qui risquent de rencontrer des personnes qui ne vous conviennent pas, mais comme vous avez assez d'intuition, eh bien, vous allez pas aller où c'est qu'on veut vous amener. Donc, vous allez faire quand même assez attention. Voilà. Voilà. Assez attention sur un nouveau projet. Hein. Quand même. Hein. Donc, là, on dit qu'effectivement, il y a... qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des papiers à écrire. Peut-être qu'on travaille avec les jeunes aussi. Hein. Mais pour moi, il y a une formation là. Il y a quelque chose qui vous arrive. Ah, il y a des contrats qui s'arrêtent. Il y a des contrats qui s'arrêtent. De l'enseignement parce que vous le voulez ainsi sur ce mois d'avril. Ouais. On dit que c'est mieux pour vous. Hein. De toute façon, la décision que vous avez prise, elle est très bonne. Hein, parce que vous allez avoir la réussite ailleurs. Donc, c'est quand même assez bon pour vous. Eh ouais, vous êtes dans un autre projet qui va vous amener la réussite. Voilà. Ensuite, on dit que vous avez des énergies. Vous avez du magnétisme. Et il y a le côté hôpital aussi. Ah, il y a quelqu'un qui va être hospitalisé. Vous allez vous sentir un peu très seul. Et de toute façon, même ça... ça mène rien, il y a l'inaction. C'est une personne qui a des problèmes de peau, c'est une personne qui porte peut-être le costume et qui travaille sur des écrans. Voilà, il y a un entretien qui arrive, il y a un vœu qui est formulé. Or, vous, vous avez un entretien pour un emploi qui arrive aussi. Je vois des locataires aussi arriver. Bon, vous repartez sur autre chose, hein, professionnellement. Attention aux mensonges dans le couple aussi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un par intérêt ou la personne est à intérêt pour vous. Vous êtes dans une profession libérale ou en tout cas peut-être il y a chambre séparée. Vous avez peut-être un prénom ou un nom d'origine étrangère par rapport à un homme. Donc peut-être rencontre possible d'un homme ou vous êtes avec un homme d'origine étrangère qui vous prend pour un imbécile là. Eh ouais, voilà. Et ouais, et de toute façon, ça se terminera. Parce que c'est comme ça. Parce que cette cohabitation, là, même si un enfant, cette cohabitation doit s'arrêter. Il faut ouvrir les yeux. Voilà mes petits scorpions sur ce mois d'avril. Je vous fais de gros mimi et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et vos messages de l'univers. Au revoir.